Oh putain, je stresse. Et s'ils m'ont reconnu, je fais quoi? Aucune chance, ils étaient déjà là, ils peuvent pas avoir entendu les infos. Voilà où ça mène tes conneries, bordel! Arrête de faire ta chouineuse et entre. Ok, ok, j'y vais. Le sonne dans mon bureau sur le champ! Tu vois? Je suis foutu, vraiment foutu. Va voir ce qu'il a au lieu de faire des conclusions un peu trop hâtives. Vous avez demandé à me voir, monsieur? Eh bien oui, c'est à propos de votre tour. Oui? Voilà. Durant votre coma, la société continuait de vous verser votre salaire alors qu'il n'y avait aucune productivité de votre part. Donc la boîte a perdu beaucoup d'argent. Ah, et pourquoi vous me dites ça? Eh bien parce que votre salaire a été réduit. Au lieu de 1200 euros, vous allez avoir 800. Quoi? Mais vous pouvez pas! Je suis le patron de cette entreprise et je peux faire absolument tout ce que je veux. Maintenant, sortez de mon bureau. Ah, et Lawson, j'ai appris pour votre copine et... Faut voir le bon côté des choses. Ça fait une bouche en moins à nourrir avec 800 euros. Ah, et tu te crois drôle, espèce de sale fils de pute? Pardon, j'ai bien entendu. Ouais, t'as bien entendu, espèce de sale sac à merde. Alors déjà, de 1, d'où tu l'insultes, hein, parce que putain, ce qu'il vient de vivre, c'est horrible. Et deuxièmement, il y a que moi qui peux le salir. Alors, tu ne peux pas comprendre, déjà, premièrement, la situation, et deuxièmement, se foutre comme ça de sa gueule, c'est vraiment de l'ordre, d'un niveau de fils de puterie un peu trop extrême, je trouve. David, arrêtez ça tout de suite! Oh, je crois que David n'est pas vraiment disponible pour le moment. Il faut vous faire soigner, Lawson! Vous êtes complètement taré! Alors, de 1, il n'y a que moi qui peux l'insulter comme ça. Et de 2, mon nom est Melvin South et je démissionne! Oh. South? Je me souviens de mon nom. Sécurité! Merde! Putain, mais... Attends, mais comment... Mais... Comment... Je sais conduire? Oui, allô? Elena? David, ça va pas? Non, c'est pas David, c'est Melvin. Vous savez la voix dans sa tête. Hein? Mais Melvin, vous avez le corps de David. Oui, c'est assez long à expliquer, à vrai dire, et... Bon, il faut qu'on se voit. Ok, vous pouvez passer à mon bureau. Non, 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 pas le bureau, on est recherché, il nous faut un endroit tranquille. Ok, rejoignez-moi 24 rue Jean-Marie. 24 rue Jean-Marie? Ok, j'arrive. Pourquoi voulez-vous me parler, Melvin? Vous devez rendre le corps à David? Pas le temps, et en plus, je sais même pas comment on fait. Bon, ok, j'imagine qu'on verra ça plus tard. Alors, pourquoi vouliez-vous me voir? Alors, je suis venu pour vous poser quelques questions sur votre vie. Alors, j'ai l'impression de vous connaître et je peux tout savoir sur ce proche que vous avez perdu. C'est-à-dire que je tiens pas vraiment à... Je sais, mon nom de famille. Je le sais. Très bien. Alors, dites-le moi. C'est... South. Melvin South. Oh mon Dieu! Non! C'est impossible! Donc, vous savez qui je suis? Oui, mon mari. Quoi? Tu as eu un accident il y a 6 mois comme David. Je pense que tu as eu l'accident avec David, c'est pour ça que tu es lié à lui. Mais j'arrive toujours pas à y croire. J'étais tellement mal après ta mort, je pleurais tous les soirs et je suis rentré dans une profonde dépression. Je peux même pas compter le nombre de fois où j'ai failli faire la connerie. Pour te rejoindre et être avec toi pour l'éternité. Au final, je n'ai même pas eu besoin de le faire. J'étais enfin retrouvé, mon ami. Wow, attends, wow. Tout ça, c'est très dur à avaler. Je suis ton mari. Merde. Alors, je me sentir assez mal pour tous les culs que j'ai matés avec David. Non. Tu as toujours ton sens de l'humour, à ce que je vois. Mais... Même si je suis ton mari, ce n'est pas mon corps, c'est celui de David.
Alors tu ne m'as pas vraiment retrouvé en un certain sens. Oui, il faut trouver un moyen pour t'enlever de ce corps. Je vais y réfléchir. Ok, Lena. Je crois que j'ai une idée, mais c'est risqué. Une idée risquée ? Laquelle ? Putain, mais pourquoi je suis là ? David, c'est vous ? Oui, c'est moi, mais pourquoi vous êtes là ? Et pourquoi je suis là ? C'est quoi ce putain de délire ? Ok, David, calmez-vous. Je vais tout vous expliquer.